Sur la présentation du beau voyage en Côte-Nord, on a plein de belles choses à vous faire découvrir. Donc, on commence. Le beau séjour en Côte-Nord, qui est une immersion et réconciliation en terre autochtone, aura lieu du 1er au 9 août 2022. Donc, c'est un séjour de 9 jours et 8 nuits, accompagné par Suzanne Bernard, qui est avec nous aujourd'hui, et qui vous dira quelques mots aussi sur la présentation de l'itinéraire. Alors, Suzanne Bernard, à la suite de nombreuses années de vie citadine et corporative, elle a approfondi sa connexion à la nature. Puis en 2019, suite au décès de Joy et Chakwan, Suzanne a ressenti un profond deuil inexplicable qui ensuite l'a amenée à se plonger plus profondément dans la culture des Autochtones du Québec. Et ainsi, l'a fait poursuivre son chemin aussi au niveau de la spiritualité. Elle pourra vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure aussi. C'est avec humilité et révérence qu'elle vous accompagnera dans ce magnifique voyage dans le cadre de la réconciliation avec les Autochtones, qui est un thème très important qui est beaucoup abordé ces temps-ci. Et nous sommes très heureux de pouvoir participer à un projet qui va dans ce sens. Donc, nous avons collaboré avec Inou Voyage. D'ailleurs, nous avons plusieurs membres de l'équipe d'Inou Voyage avec nous aujourd'hui. Donc, ils se présenteront un peu plus tard tout à l'heure, mais je vais rapidement, brièvement vous dire, nous avons avec nous Jean-Michel Perron de Inou Voyage. Nous avons Lisanne et Matmine, ainsi que Lani qui sera votre guide pour l'excursion que nous allons vous présenter tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, Suzanne, je vais vous laisser dire quelques mots pour présenter un peu le voyage. Puis nous passerons ensuite à l'itinéraire. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de ce projet. En fait, je voudrais commencer par honorer la terre sur laquelle je suis en ce moment, la terre non cédée des Anishinabés de ma région. J'habite les Laurentides. Comme Anne le disait, je marche le chemin mystique et holistique de ma guérison. J'utilise ces mots-là parce qu'il n'y a rien jusqu'à maintenant qui avait fonctionné tant que je n'ai pas reconnecté dans le fond avec ma nature profonde, mais aussi la nature et le grand tout. Donc, l'année dernière, j'ai fait le voyage avec Spirito en tant que participante, mais je suis guide accompagnatrice et cette année, j'ai voulu accompagner ce groupe, donc aller un petit peu plus loin dans la réflexion, dans la préparation du voyage. Autant ma réflexion individuelle, mais aussi le travail avec l'équipe de Spiritour et le travail de préparation avec nos voyages. Donc, c'est ça. Merveilleux. Donc, je vais remettre le partage avec la présentation. On a de très belles photos de l'itinéraire à vous partager. Donc là, vous avez une vision d'ensemble aussi avec la carte de où est-ce que ça se situe. Donc, le séjour se déroulera dans ce coin-là, donc entre cette île et la Romaine. Et je vais laisser Suzanne parler un peu plus de l'itinéraire. Donc, c'est ça, la première journée, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un vol de Pascan Aviation. On fait Montréal-Sept-Îles. Et en arrivant à cette île, on a un transfert en minibus pour aller à l'hôtel Château Arnaud, qui est directement sur le bord de l'eau, donc la baie de cette île, et qui nous permet de faire, c'est juste, on voit ça de l'hôtel, qui nous permet de partir à pied vers l'ensemble des endroits là, pour aller visiter ou pour aller manger. La deuxième journée, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on visite la grande maison des Innus, le musée Chaputane, où Ovula Fontaine nous accueille et nous parle de la façon de vivre des Innus, la façon traditionnelle de vivre. On voit des outils, on apprend comment ils faisaient à manger, comment ils vivaient dans le bois, le déroulement des saisons pour eux à une époque passée, puis ils nous amènent jusque dans le présent. Toute la jetée au niveau de cette île, c'est tous des endroits qui sont disponibles pour partir à pied, découvrir tout ça à pied. C'est très proche du château Arnaud où nous habitons. Et
Dès le jour 3, je peux céder la parole à mes collègues de chez Inou Voyage. Je pense que c'est Jean-Michel. C'est peut-être moi. Ah non, Oui, c'est tout Jusqu'aux à fait. vidéos, hein, tu veux que je parle? Tout à fait, oui. En fait, il y a un petit vidéo de présentation qu'on peut voir sur le site de Inou Voyage. Donc, je vais mettre le vidéo, puis ensuite, on laissera l'équipe de Inou Voyage Fait que dans le intervenir. fond, juste dire qu'à partir de cette île, on prend le minibus, puis on s'en va à Kegaska, puis c'est là que l'aventure, ou enfin le projet commence. Et je vais laisser Anne nous jouer le vidéo, puis après ça, c'est Jean-Michel qui va nous parler, puis nos collègues des nouveaux voyages qui nous parlent du reste. Moi, je n'ai pas le son, Anne. Je vais juste refaire le partage d'écran avec le son que vous entendiez. Hop. Et voilà. N'entendez Non pas? plus, il n'y a pas de son. Oh, excusez-moi, attendez, je vais refaire le partage. Stéréo. Voilà. Et repartager. Est-ce que vous l'entendez? Fais-le jouer, voir si on entend. Il Oui, joue pas pour de nous. toute façon, c'est de la musique acoustique. Il n'y a pas de parole pour le moment. Allons-y. Ça joue pas pour nous. Désolée pour le petit problème technique. J'essaie de le repartir. Habituellement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne Marche. super. Mon menu ce soir, c'est du caribou à la manière Innu. Côté viande, c'est le top. L'aspect culturel et traditionnel. Et c'est pour ça qu'on a fait comme de la vanille, et des patates sautées sur le poêlon et des chicoutés. Puis est-ce qu'il y a du thé également. Puis ça ne coûte rien, c'est une gracieuseté de la reine. Entendait le son correctement, mais pas l'image. OK. Peut-être que c'est la connexion Internet. Ou ce que je vais faire, s'il y a vraiment trop de bugs avec la vidéo, ce serait peut-être plus simple que je vous envoie le lien de la vidéo par courriel lorsque on vous enverra la rediffusion lundi, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps sur le temps des animateurs. Je suis vraiment désolée pour ce problème technique. Alors, on vous enverra le vidéo avec tout le reste des rediffusions. Vraiment désolée pour les petits soucis techniques. Dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Jean-Michel Perron pour qu'il puisse parler un peu plus d'Inou Voyage et du reste de l'itinéraire. Merci. Est-ce que tu peux terminer le partage d'écran, Anne? Oui.
Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Effectivement, on a une superbe vidéo. La vidéo là, que vous alliez présenter, c'est une vidéo en général sur la communauté d'Unamin-Chipu, mais on a une vidéo spécifique sur le séjour à Pinipeau-Cat. Alors, ce serait intéressant également de vous la faire parvenir pour que vous l'ayez précisément là-dessus. Donc, Jean-Michel Perron, je suis un conseiller en tourisme. Je travaille avec la communauté d'Unamin-Chipu depuis 2016. Avec moi, on a la chance d'avoir des représentants de la communauté Innu d'Unamin-Chipu. Alors, peut-être ouvrir vos caméras, mesdames, messieurs. Entre autres, vous avez Lisanne Mestanapeo, que vous voyez ici. Lisanne, c'est une nouvelle employée depuis quelques mois à Innu Voyage. Innu Voyage, en passant, c'est une agence locale qui appartient à la communauté. Alors, tout le tourisme, parce que Innu Voyage, c'est l'agence, mais il y a différentes opérations touristiques, une pourvoirie, différents éléments rattachés au tourisme, tout ça appartient à la communauté. Donc, c'est vraiment un tourisme communautaire dont vous allez participer si on a la chance de vous voir l'été prochain. Également avec Lisanne, bien, vous avez Matnin qui est là. Et à droite, et à la droite de Matnin, vous avez Lani. Lani qui est le coordonnateur du tourisme à Lille touristique où vous allez faire votre séjour, qu'on appelle Apenepeacat, qui veut dire en passant en français les trois passages de l'Est. Alors, ça, c'est l'équipe, donc, Innu Voyage. Et par la suite, moi, je vais vous entretenir un peu sur le séjour. Puis par la suite, vous avez des commentaires, des questions. Je suis certain que Lisanne, Matnin ou Lani sauront y répondre. Si vous permettez, je vais partager l'écran pour vous permettre. On va resituer quand on parle d'Unamin-Chipu, on parle de quoi précisément? Alors, vous voyez mon écran, oui? Alors, donc sur Google, là, vous reconnaissez le Québec au complet, la fameuse île d'Anticosti bientôt qui va être, on l'espère, un site de l'UNESCO qui va être reconnu. Et vous avez ici toute la basse côte nord du Québec avec la frontière du Labrador qui est là. Alors, et l'île de Terre-Neuve, évidemment, qui est là. Ici, c'est le détroit de Belles-Îles. Il y a un micro d'ouvert pour le son. Est-ce que c'est possible, Matnin, de fermer votre micro? Ah, merci. Ici, vous avez le détroit de Belles-Îles en passant entre le Québec et Terre-Neuve. Blanc-Sablon est juste ici, d'ailleurs. Alors, vous voyez Blanc-Sablon. La présence en passant des Européens ici, là, ça date autour de 1400, les pêcheurs basses, etc. Mais c'est rien par rapport à la présence des Innus, anciennement qu'on appelait les Montagnais. Alors, les Innus au Québec et précisément sur la Côte-Nord, ça date de 10 000 ans. La présence prouvée, là, archéologique. Et vous avez différents villages. La route, et c'est là qu'on va vous prendre en charge, c'est à Kegaska. Juste passer Natashquan, une demi-heure de route de Natashquan, vous vous rendez juste ici. Et ça, c'est le petit village de Kegaska est ici. Et c'est là qu'on va vous prendre à la marina avec notre bateau que je vais vous montrer dans quelques instants. Et par bateau, on va vous amener au large de la communauté d'Unamin-Chipu. Bougez pas, je vais tasser encore. Ici. Alors, on dit la Romaine en passant. La Romaine, ce n'est pas la communauté d'Unamin-Chipu. La Romaine, c'est un village alloctone, alors 120 personnes, dont certains d'ailleurs sont d'origine malécite, mais c'est une communauté complètement à part de Unamin-Chipu. Unamin-Chipu, c'est juste à côté ici. Alors, tu as ce qu'on appelle la réserve indienne qui est là. La Romaine, à peu près 100, au maximum 120-150 personnes. La Romaine, c'est 1600. Membres de la communauté qui sont là ici. Alors, le vrai nom, là, où vous allez aller, ce n'est pas à la Romaine, c'est à Unamin-Chipu, qui est le nom officiel Innu de la communauté. Puis en passant, la Romaine, puis le barrage de la Romaine, c'est deux choses. Le barrage de la Romaine, ça, c'est passé à Saint-Pierre, entre Havre Saint-Pierre puis Natashquan. Alors, c'est très, très différent. Des fois, il y a des gens qui débarquent dans la communauté de la Romaine, au quai de la Romaine avec le bateau, puis là, ils demandent à voir les barrages, mais ça n'a pas rapport. On n'est pas vraiment dans le même secteur. Alors, le territoire, et évidemment, il y a un paquet d'îles. Et ici, c'est une carte qui est sur le site web de tourisme à Unamin-Chipu. Et là, vous voyez, c'est vraiment, il y a tout un chapelet d'îles qu'on appelle en français l'archipel Sainte-Marie, dans lequel il y a différentes réserves
ornithologique et de protection. Et c'est des centaines et des centaines d'îles. Alors, comme on vous dit, votre séjour de 4 nuits, vous ne dormirez pas comme tel directement dans la communauté. Vous allez aller visiter la communauté d'Unamenchipu, mais vous allez séjourner complètement isolé au bout du monde. Évidemment, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, mais on a construit avec la communauté vraiment une belle île avec des hébergements qui sont hyper professionnels. Ce n'est pas du grand luxe, c'est très, très propre et on est super bien. On a depuis l'été passé un nouveau navire que vous voyez ici à l'écran qu'on appelle Chicacas. Puis en passant, Chicacas, c'est l'ancien nom de la communauté d'Unamenchipu. Alors, les anciens de la communauté, là, il y a 100, 150 ans, ils appelaient le site Chicacas. Alors, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'appeler le bateau, comme vous voyez ici, fermé. D'ailleurs, c'est un 12 passagers. Sur l'île, le maximum de visiteurs qu'on reçoit à la fois, c'est 12 personnes. L'idée, là, c'est de vivre vraiment une immersion. Tantôt, on vous disait que Lani est le coordonnateur du personnel à l'île à Penipeu 4, mais le personnel, il va avoir à peu près 10 Innus sur l'île avec vous, là. Cuisinier, cuisinière, aide-cuisinier, cuisinière et différents guides, hommes de camp, etc., etc. Alors, l'idée, c'est vraiment de vivre ça. Puis l'expérience débute à Kegaska et par bateau, à peu près à 1h30 de bateau à bord du Chicacas. Bien là, vous allez vous rendre sur l'île qui est ici. Vous allez en passant, ça, c'est une photo de la communauté d'Unamenchipu, donc en basse côte nord du Québec. Et vous voyez l'île. Ça, ici, c'est l'île. Vous voyez ici au centre, l'image, c'est les cuisines qui sont là, l'hébergement pour le personnel est là. Et vous voyez les petites unités d'hébergement à droite. Alors, il va y avoir 6 unités l'été prochain. Dans chacune des unités, il y a 2 lits simples. Et en passant, puis ça cadre parfaitement dans toute l'approche touristique de la communauté. Au mois de mai prochain, on va mettre, au lieu d'utiliser les génératrices à essence l'été prochain, on installe différents panneaux solaires. Alors, toute l'île va fonctionner à l'énergie solaire l'été prochain comme tel. Pour le programme, on vous disait tantôt, c'est du 4 nuits sur place. Dans le passé, on était du 3 nuits. Là, l'idée, là, c'est vraiment, si on veut faire une vraie immersion, là, c'est vous donner l'occasion et la chance de vraiment échanger avec les Innus sur place, mais également de découvrir cet environnement-là qui est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, la communauté, le conseil de bande a demandé déjà il y a 2 ans au gouvernement du Québec de même de créer un parc national avec tout ce secteur-là. Alors, c'est ce que vous allez découvrir. Puis c'est un mélange donc de tourisme d'aventure puis un mélange de culture, évidemment, Innu. Juste vous donner une idée, la richesse de la culture Innu d'Unamenchipu. Et c'est sûr que le fait de l'absence de route a fait que la culture s'est magnifiquement bien préservée. Il y a même des anciens de la communauté qui ne parlent même pas le français, là. Et vous savez, comme moi, c'est comme le français au Québec, la langue, bien, c'est 50 % de la culture, hein. Et c'est la façon de voir le monde, etc. Alors, vous allez être immergé également par la langue Innu, mais également par la richesse assez exceptionnelle des connaissances millénaires des Innus de la nation d'Unamenchipu. Mais l'autre volet, c'est évidemment la découverte au point de vue ornithologique, géologique. Les roches, il y a des arbres, mais il y a peu d'arbres. Ça me fait penser beaucoup au paysage sur la côte du Labrador. D'ailleurs, on n'est pas tellement loin du Labrador rendu là. Ou encore sur les îles de la baie James ou les quelques îles de la baie du Son. Donc, c'est un paysage qui est vraiment différent du reste. C'est une formule que tout est inclus, dont la fameuse pêche traditionnelle au homard. C'est-à-dire les Innus d'Unamenchipu sont la seule communauté, première nation au Canada, qui pêche le homard à l'épuisette. Ils font la pêche commerciale avec les cages comme les autres, mais la pêche traditionnelle, ça se fait à l'épuisette. Et vous allez avoir l'occasion, pas à bord du gros bateau, le Chicacas, mais dans des petits canots moteurs, alors 2-3 maximum visiteurs à la fois avec 2 guides, bien, vous allez aller expérimenter c'est quoi la pêche à l'épuisette traditionnelle au homard. Alors, évidemment, si vous aimez le homard, vous allez être gâté durant votre séjour sur place. Et la nourriture, sans prétention, est vraiment très, très bonne.
souvent là, que c'est la meilleure table de la base Côte-Nord. Alors, on a la chance d'avoir des cuisinières qui sont hors pair, qu'on essaie de manger, évidemment, local. On ne peut pas d'avance garantir, par exemple, vous allez manger du caribou ou de la truite de mer. Mais vous le savez comme moi, si vous avez le moindrement voyagé à travers le monde, à un moment donné, c'est, tu t'imprègnes du milieu, puis c'est qu'est-ce qui a été pêché la veille, qu'est-ce qui est disponible telle journée. L'homard, ça, c'est une certitude. Mais pour le reste, bien, ça va dépendre là, de la date de votre séjour puis de ce qui va s'être pêché la veille ou pas. Autre élément aussi, bien, c'est la découverte des îles. Alors, avec le bateau de Chicacas, vous allez avoir l'occasion d'aller découvrir, il y a des colonies de fous de bassin, entre autres, ce qui est assez original, donc les mêmes types d'oiseaux qu'on trouve à l'île Bonaventure au large de Percé, mais également les fameux perroquets des mers. Alors, l'idée, c'est de découvrir à travers ces centaines d'îles-là puis des paysages vraiment à couper le souffle. Alors, je voyais un petit peu le titre de votre séjour, là, de concept de mieux-être, etc. Bien, vous allez avoir l'opportunité, parce qu'on est loin du tourisme de masse, je vous le disais, 12 visiteurs maximum, incluant sur l'île à Pénépéocat. À un moment donné, vous voulez être seul, vous voulez être en couple tout seul, vous allez aller pouvoir vous isoler, vous allez voir personne. Et non seulement à l'île, mais durant le séjour également. Et ça, c'est intéressant. J'entendais Suzanne de se reconnecter, là, bien, ça, c'est une belle occasion de séjour, de vraiment se reconnecter. Pour terminer, parce que je ne veux pas trop parler, je pourrais vous en parler pendant des heures de temps, vous allez visiter la communauté d'Unamenshipu également le dimanche en revenant. Alors, juste pour vous expliquer c'est quoi en 2022, une communauté autochtone isolée, alors le conseil de bande, la très charmante église qui est là, puis toute l'organisation, les écoles, le cimetière, etc., etc. Comme je vous le disais, là, c'est vraiment culture-aventure et c'est une destination très peu connue encore. Puis, d'une certaine manière, bien, les Innus de la communauté, comme vous le voyez, ne veulent pas du tourisme de masse. L'idée, là, c'est vraiment d'accueillir le visiteur comme s'il faisait partie de la famille. Puis, je pense que c'est ça qui fait que tous ceux et celles qui ont passé par l'île depuis 3 ans là, sont vraiment enchantés et marqués. Là. Je vais vous donner une petite anecdote. Cette semaine, on parlait avec le responsable du tourisme, Edmond Messanapeo, avec 5 volontaires. C'était des clients l'année dernière, dont un des messieurs, c'était un prof de menuiserie. Alors, ils se sont offerts, puis ils vont venir au mois de mai construire 2 nouveaux chalets pour les visiteurs. Tout ça, c'est une mode bénévole. Là. Ils ont tellement été charmés l'été passé qu'ils ont dit, garde, si jamais vous avez besoin d'un coup de main, ça donne bien. On voulait rajouter deux petits chalets pour monter à 12 visiteurs. Alors, ils viennent passer une semaine, ils sont 5 personnes, 5 travailleurs, tout ça bénévole. Juste pour vous dire, ils ont compris l'esprit là, que tout ça, là, c'est pour le développement de la communauté, puis le partage. Là, vous allez apprendre beaucoup des Innus, mais également le personnel Innu va beaucoup apprendre également de vous durant votre séjour. Alors, voilà. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires? Puis encore une fois, Lisanne, Matnine et Lani sont là pour vous aider. Oui, je vois qu'il y a Gaëtane Le Serre qui avait une question. Donc, elle dit, quoi faire pour voir la map? Présentement, j'ai de la description de voyage. Ah oui, parce qu'elle voyait le texte en partage d'écran. Elle voulait revoir la map, donc elle demandait comment faire. Okay, pour voir la carte du lieu? Oui, c'est ça, la map du lieu. Ben, bouge pas, je vais repartager, Gaëtane, pour vous montrer cette carte-ci. Sinon, il y a la carte... Google Maps qui est là. Voilà. Encore une fois, vous voyez, c'est drôle. Hein? C'est juste la romaine, alors que ce n'est même pas le nom de la communauté. Là. Alors, ça fait 3 ans qu'on essaie de convaincre les gouvernements et Google de mettre Unamenshipu. Anyway. Alors, ça, c'est la carte, puis c'est le séjour. Vous voyez, encore une fois, la frontière du Labrador est juste là. Le territoire traditionnel d'Unamenshipu, là, regardez avec ma petite souris, là. Ça, là, c'est le territoire vraiment traditionnel. On appelle le Nitassinan là, des Innus. Là. Alors, ça a tous les plans d'eau, toutes les montagnes, les lieux sacrés, tout ça. Ça a tout un nom Innu
comme telle. L'autre communauté Innu de la Basse-Côte-Nord, on la voit ici, là, c'est Pacuachipu, qui est ici, là, qui est à Saint-Augustin. On appelle ça également Saint-Augustin. Alors, il y a cette communauté-là. Puis à côté de Natashquan, ben, tu as la communauté Innu de Nutakwan, alors qui est juste à côté ici. Et vous avez donc, encore une fois, Unamenchipu précisément ici, avec la rivière qu'on voit ici. La rivière Olamen, qui étaient les autoroutes traditionnelles des Innus, avec leurs canaux là, pour monter l'été dans l'arrière-pays, etc., etc. Merci pour le partage de la carte. Alors ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou dans le QR. Sinon, en attendant, je pense qu'on pourrait laisser aussi la parole à Lisanne, à Matnine et à Lani aussi pour qu'ils puissent nous parler un peu plus du séjour. Si vous permettez, je pourrais à nouveau partager mon écran. Il y avait aussi d'autres photos du séjour dont vous veniez de parler, donc pour s'imprégner un peu de l'expérience. Je repartage ici. Puis je laisse la parole aussi aux membres de l'équipe d'Innu Voyage. Oui, bonjour Lisanne. Oui, bonjour. Oui, alors voici, donc là c'était l'image qui était en partage au début, c'était comme pour montrer un peu le début du séjour, partir en mer autour des îles. Donc je vais vous laisser en parler, dire aussi quelques mots dessus. Moi, avant de travailler avec Innu Voyage, puis le cycle, là, mais moi, j'ai été la fin de semaine pour voir c'est quoi j'ai vécu avec toute l'expérience, la pêche, le repos, le rencontrer d'autres mondes, puis même... Moi, je viens de la Romaine, puis j'ai décidé d'aller vivre l'expérience, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je me suis sentie accueillie, il n'y avait que des rires, j'ai connu de nouvelles personnes, puis c'était le fun. J'ai amené ma petite nièce, puis elle aussi, elle a aimé ça, elle ne s'est pas ennuyée. Oui, c'est ça, puis... Il n'y avait pas de stress. Puis, parce que moi aussi, je vis de la pêche là-bas avec mon conjoint. Je pêche, puis c'est du travail. Mais là-bas, j'ai regardé les autres pêcher, puis juste pêcher pour moi, c'est le fun. Oui, effectivement, c'est une des activités qu'il y a pendant le séjour, la oui. pêche. J'entendais quelqu'un voulait intervenir. On n'a pas d'image, Anne. Oui. C'est ça, les gens nous disent que c'est un écran noir qu'on voit. OK. C'est vraiment bizarre, ces problèmes techniques. Merci, Lisanne. Est-ce que pendant que Anne s'occupe de nous remontrer l'image, est-ce que c'est possible d'entendre Matnine et Lani qui organisent vraiment la partie touristique? Oui, allô, allez-y. Bonjour. Allô? Je vais vous remettre en plein écran. Mon nom, c'est Matnine. Je travaille pour Innu Voyage depuis octobre. Ça? Octobre? Non. Quand ça? Septembre, je crois, je ne me souviens pas. C'est parce que j'aime trop. Moi, je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai vu mon mari. Comment de son retour de son travail, là, hey, c'était tous ces mots, il aimait ça. Il a vu que les touristes qui venaient de séjourner là-bas, qui étaient toutes satisfaites. C'est des bons commentaires sur le site Winnebago. Même encore aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, il y en a encore qui a des. Qu'ils veulent revenir, qu'ils contactent avec l'année. Mais j'ai passé une journée là-bas avec, juste regarder. J'étais pas une des participantes, j'ai juste accompagné mon mari parce que les touristes l'ont demandé que mon mari m'amène là-bas avec lui. Puis je l'ai accompagné, puis j'ai connu du monde.
des nouvelles personnes, puis aujourd'hui, qui sont devenus des amis. C'est comment je dirais? Ils sont toujours en contact avec nous autres. Puis ils parlent souvent de Winnipeg. Comment je dirais? Puis, le bateau, c'est vraiment aussi. Il est très confortable, le bateau. Très sécuritaire aussi. Mais je vais penser à toi. Je ne sais pas, toi, Nati, comment tu vois la bourre? Moi, je vais présenter tous les organisateurs du site Winnipeg que j'ai commencé au mois de juillet de l'année passée. Je suis encore en entraînement. Ils m'ont fait voir les travaux, qu'est-ce qu'il y a à faire durant l'été avec les touristes. Moi, j'ai eu une très belle expérience avec eux autres. On s'en va. Nous autres, premièrement, il faut qu'on aille accueillir les touristes là-bas, à Kegaska. On attend, on les ramène au site, comme l'a mentionné Jean-Michel. Puis, en arrivant là-bas, il y a un souper qui est déjà prêt, préparé par les bons cuisiniers qui sont sur place. Puis, souvent, qu'est-ce qu'ils veulent montrer comme plat? C'est souvent des plats traditionnels que les Inuits mangeaient traditionnellement. Le plus possible que ce soit visiblement traditionnel, puis le goûter aussi, le goût. Ben, tout ce que j'ai vu, c'est une belle expérience pour en tant que individu touriste, en tant que touriste, tout le monde va avoir le privilège de savoir comment vivaient les Inuits autrement. Je suis pas, je vais vous dire, je suis pas un Inou, je suis un Atikamekw qui vient de Manawan. Je vis ici, ça fait 10 ans, une dizaine d'années que j'ai appris à parler la langue Inou aussi. J'ai pas de misère là-dessus. Avec la connaissance des aînés que je vois ici, que je rencontre souvent, souvent je vois des aînés, je parle souvent avec des aînés de leur connaissance, ils me parlent de leur connaissance, puis de leur connaissance, moi aussi je transmets la connaissance des aînés, qu'est-ce qui pourrait intéresser, mettons. Ils veulent savoir comment vivaient les Inuits. Oui, et même nos aînés, là, ils veulent qu'on transmette notre culture pour se faire connaître plus loin de d'où qu'on arrive, d'où c'est quoi nos cultures, parce que la plupart de nos cultures ont changé. Tu sais, nos enfants, ils parlent encore Inuit. Nos enfants à nous, les enfants à cette île, ils ne parlent pas Inou. Mais ici, ils parlent encore. C'est très spécial, ça. On est comme, comment je dirais, on est très fiers encore de porter notre culture à nous autres pour transmettre. Comme là, sûrement, il y en a plein, comment je dirais, je vais céder le pas parce que j'ai coupé le. Là. je vais vous dire que je suis encore en entraînement, puis moi, je vais ça me faire plaisir encore cet été d'accueillir les touristes. Lani, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités qui sont offertes quand on est sur le site?
Est-ce qu'on peut... Tout dépendamment de la météo aussi, parce que l'année passée, ça nous a joué des tours. Okay. Il y a eu un groupe que pendant toute la saison, c'était juste la pluie. Une petite journée de soleil, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire moi, j'ai montré des affaires, comment ils faisaient la viande séchée, tu sais, pour que ça soit... je voulais pas trop annuler une journée comme une journée d'excursion, puis tout annuler pour de rien faire, là. Parce que, tu sais, une journée qu'on fait de l'excursion, s'il fait beau, on s'en va les perroquets. On arrive là-bas. Puis il y a aussi les îles Wapitaga que Jean-Michel il a mentionné. Je ne sais pas si Jean-Michel il avait réussi à prendre des photos des loups marins. Il y avait une grande famille de loups marins qu'on a vu avec Jean-Michel. Je ne sais pas s'il était là. Non, je n'étais pas là à ce moment-là, mais moi, c'est les fous de bassin qui étaient à Wapitagon à l'époque. Puis là, Wapitagon, l'idée, c'est de pouvoir débarquer sur l'île puis d'aller marcher sur l'île. Alors, c'est ça qu'on va faire l'été prochain. Là. Mais comme le dit Lani, c'est sûr qu'on est dépendant de la météo. On a même eu des visiteurs l'année passée qui ont passé 2 nuits supplémentaires. Parce qu'on n'avait pas encore le gros bateau à ce moment-là. Le gros bateau, il est nouveau. Le gros bateau va nous permettre, avec les instruments, de pouvoir naviguer, même en cas d'intempérie. Là. À moins qu'il y aurait vraiment un brouillard à couper le souffle. Là. Mais on est rendu moins dépendant un petit peu avec le nouveau navire pour pouvoir opérer. Mais c'est sûr que la météo va déterminer est-ce qu'on sort à l'extérieur en excursion maritime. S'il pleut des flous, ben c'est sûr que non. À ce moment-là, on va faire plus des activités d'interprétation directement sur l'île. Puis tantôt, on parlait de la chasse, la pêche aux mares. Est-ce qu'il y en a encore rendu dans la première semaine du mois d'août? L'année passée, oui, mais théoriquement, on dit tout le temps que c'est la fin juillet, la pêche aux mares. Mais l'année passée, ça a duré jusqu'à la mi-août. Alors, si jamais les homards ont commencé à muer, c'est ce qui détermine la fin de la pêche aux homards. Si jamais, durant votre séjour de début août, les homards ont commencé à muer, bien, il n'y aura pas de pêche traditionnelle, ça, c'est sûr. Mais par contre, vous allez quand même manger du homard sur place. Là. Mais encore une fois, c'est difficile de le dire d'avance. Ça, c'est une des dimensions de ce type de voyage que je veux partager avec tout le monde, c'est que le voyage, il va au fil de la température, de l'ambiance, de ce qui se passe autour de nous, de la disponibilité aussi des activités, des guides, puis ça se place tout. On va réussir à faire ce qu'on a à faire, mais c'est pas comme un voyage guidé traditionnel où tout est dans un horaire prévu, puis on fait tel jour, telle chose. Parfois, on change l'ordre des choses, on fait autre chose qui n'était pas prévu, mais qui est tout aussi touchant. Et donc, c'est un message important parce que c'est aussi un voyage où il y a beaucoup de liberté. C'est-à-dire, c'est moins encarcané qu'un voyage traditionnel organisé. Oui, surtout ouais, comme les activités sont en plein air, puis par bateau aussi, effectivement, ça va dépendre des conditions météo. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Oui, allez-y, Lisanne. Moi, la journée où j'étais supposée d'aller le Homard, là, quand on est allé, mais il y avait trop de vent. Puis ils ont changé, puis on est allé à la rivière avec ton mamie pour la pêche à la truite. Puis juste à y aller, puis voir les paysages, le monde qui n'ont jamais été là, ils trouvaient que ça ressemblait beaucoup à la Finlande, dans ce coin-là, là, où il n'y a pas d'arbres, puis des roches. Puis
moi, je m'imaginais la Finlande, puis eux autres, ils sont à la Rome. C'est beau de savoir ça, là, parce qu'on ne voit pas tout le temps très loin vers les rivières et Tomamio. Mais c'est beau d'aller là-bas avec les guides. Magnifique, parce que ça, c'est un bel exemple de quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ça ouvre toujours à d'autres belles activités puis d'autres belles découvertes aussi qui n'auraient pas pu être, qui n'auraient pas pu se faire si on avait suivi l'itinéraire et l'horaire de base. Là, toujours une ouverture aux belles surprises. Alors, il nous reste peu de temps, donc je vais essayer de repartager mon écran en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Vous montrer juste quelques petites photos pour vraiment illustrer. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon, ça marche. Merveilleux. Donc là, on voit la pêche au homard, juste ici. Une démonstration de pêche au homard dont on parlait tout à l'heure. C'est fait de façon traditionnelle. Puis un mot à rajouter aussi sur les soirées étoilées. Donc on est dans un endroit où on voit bien les étoiles le soir. Puis il y a vraiment des discussions autour du feu de camp à chacune des soirées, vraiment pour se rapprocher, parler de la journée, parler de culture et tradition aussi. Je vais vous montrer d'autres. On peut demander à tout le monde de fermer son micro, s'il vous plaît. Oui, merci Suzanne. Voilà, donc là, quelques photos de l'Odyssée maritime dans les plus petits bateaux quand on part en excursion. On voit un peu quelques photos des beaux endroits que vous allez voir. Des paysages vraiment, vraiment magnifiques, rocailleux, avec de l'eau. Puis il y a aussi la cueillette de petits fruits sauvages. C'est vraiment très, très lié à la terre, ce séjour-là, vraiment avec la pêche, avec la cueillette, être plus en nature et un peu plus loin des villages, même si vous visiterez le village et leur communauté vers les derniers jours. J'y viens justement dans un instant. Il y a aussi un atelier d'artisanat traditionnel innu auquel vous pourrez participer. Donc, c'est vraiment un séjour immersif, en fait. Oups, mon Dieu, je me suis remise au début de l'itinéraire. Je voulais vous montrer aussi une photo du village, donc comme on avait vu tout à l'heure. Il y aura un tour guidé de la communauté vers la fin du séjour, donc quand on revient après le séjour en bateau sur les îles, que vous puissiez aller à la rencontre des personnes localement là-bas. Et je voulais aussi donc passer au point plus technique. Voilà, donc le petit souper d'adieu au restaurant aussi le dernier jour. Je voulais arriver au point technique, donc par rapport aux informations sur le voyage, donc comme le prix et tout ça. Alors, sachez qu'il y a un gros rabais avec Explore Québec. Donc, en fait, ce forfait est offert avec Explore Québec aérien, donc offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. Donc, c'est un gros rabais de $250 sur ce séjour. Le rabais est offert à tous les participants, aux participants sur la base du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire. Donc, le plus tôt vous réservez votre place et le plus vous avez de chances de pouvoir bénéficier de ce rabais Explore Québec. Donc, le prix avec le rabais Explore Québec est de $3625 par personne en occupation double. Et le prix régulier est $3912 et 44 par personne aussi en occupation double. Et si vous ne souhaitez pas être en occupation double et plutôt en chambre individuelle, il y a un supplément de $424 pour les 4 nuits à l'hôtel seulement, car le camp rustique Innu, il n'y a pas cette option de chambre individuelle. Et c'est aussi selon disponibilité. Spirit Tour peut s'arranger aussi pour faire des jumelages. Donc, si par exemple, vous venez seul au voyage et que vous ne voulez pas être en occupation simple, eh ben, nous, on peut s'arranger avec d'autres participants pour pouvoir arranger des jumelages avec vous. Ensuite, concernant l'inscription, donc vous avez jusqu'au 1er juin 2022 pour vous inscrire ou jusqu'à ce que le nombre maximum de passagers soit atteint. Et pour vous inscrire, donc il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez aller vous inscrire directement en ligne sur notre site web www.spiritour.com. Lorsqu'on vous enverra la rediffusion du webinaire, vous allez recevoir le lien aussi pour accéder à cette page. Donc, c'est la façon la plus simple et la plus rapide de vous inscrire. Vous pouvez le faire par papier aussi, avec le formulaire d'inscription. Ensuite, concernant
Le reste des informations, donc le forfait comprend la majorité, donc les activités, l'hébergement, les vols et les transferts, ainsi que les repas, puis toutes les visites prévues à l'itinéraire, donc comme les démonstrations de pêche, des trucs à la mer, etc. Puis concernant ce qui n'est pas inclus dans le séjour, c'est l'assurance voyage qu'on recommande. C'est plutôt, dans ce cas-là, une assurance annulation plutôt qu'une assurance maladie, là, comme on reste au Québec. Donc, vous pouvez passer par la Croix-Bleue, par exemple, qui est un de nos partenaires, ou bien vous renseigner de votre côté. Les pourboires et dépenses personnelles ne sont bien sûr pas incluses. Tous les repas non inclus au programme, donc qui ne sont pas mentionnés dans le programme, ne sont pas inclus, ainsi que les boissons au repas. Et les visites non mentionnées, ou bien sinon qui sont mentionnées clairement comme étant des options, celles-ci ne sont pas incluses dans le prix de base. Et donc, la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agence de voyage de l'OPC, c'est-à-dire 3,5 $ par tranche de 1 000 $, n'est pas non plus inclus dans le prix du voyage. Alors, si vous voulez plus d'informations détaillées, si vous avez des questions plus pointues sur le séjour, je vous invite à contacter ma collègue qui s'occupe de ce séjour, Claire Calcina. Donc, voici ses coordonnées juste ici. Elle, c'est le poste 207 à notre. Donc, vous appelez la ligne de Spiritour ou sinon par courriel claire.calcina@commercialspiritour.com. Et lorsqu'on vous enverra les informations, on vous enverra aussi ses coordonnées pour que vous puissiez communiquer avec elle directement. Alors, on va passer à la période de questions et réponses. Donc, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont commencé à nous écrire. Alors, Anne, il y a une question qui était demandée concernant les dates. Alors, les dates, c'est du départ de Montréal le lundi 1er août et retour à Montréal le mardi 9 août. Il y a aussi une question à savoir, qu'arrive-t-il s'il y a un problème relié au COVID? Qu'est-ce qui arrive à nos réservations? Oui, alors en fait, il y a plusieurs scénarios possibles pour ça. Donc, on a toute une page de FAQ COVID sur notre site web. Donc, ça dépend. La plupart du temps, quand il y a un imprévu qui fait que le voyage ne peut pas se faire, la première chose qu'on fait, c'est reporter le voyage et non pas annuler le voyage. Comme ça, vous ne perdez pas votre réservation. On réorganise pour d'autres dates. Donc, ça dépend vraiment du cas de figure et de la raison spécifique. Donc, mais habituellement, on reporte le voyage et puis on vous communique très rapidement sur les prochaines dates. Puis aussi, on vous encourage fortement à prendre une assurance voyage parce que dans ces cas-là, vous avez une assurance annulation selon avec qui vous avez votre souscription d'assurance voyage. Donc, c'est dans ces cas-là que c'est très intéressant d'avoir une assurance voyage. Donc, si, voilà, en cas d'annulation. Puis sinon aussi, sachez que vous êtes protégé par le FICAV. Donc, quand vous réservez auprès d'une agence de voyage certifiée comme nous, vous avez la protection, c'est l'Office de la protection du consommateur. Pareil, il y a toutes les informations disponibles sur notre site web. Donc, en cas de, voilà, s'il y a un imprévu, une annulation, quelque chose comme ça, vous pouvez être en partie remboursé selon certaines conditions. Voilà, à vous renseigner, vous avez plusieurs options dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne vois pas d'autres questions, mais je trouve vraiment que c'est un privilège de faire ce voyage-là, puis ça ressemble vraiment au voyage d'une vie, parce que dans le monde d'aujourd'hui, faire du tourisme qui n'est pas du tourisme de masse, c'est devenu assez rare et assez, je dirais, difficile de vraiment faire quelque chose qui est unique. Parfois, on pense qu'on va arriver dans un endroit unique, mais on arrive pouf, on arrive dans une masse de touristes où on essaie de nous vendre plein de choses. Et donc, ça, c'est vraiment un voyage très inspirant. Très merveilleux de le faire avec vous. Oui, merci beaucoup, Suzanne. Et puis, merci beaucoup à tous les conférenciers qui étaient présents avec nous pour cette présentation. Donc, merci, Lisanne. Merci, Matnine et Lini. Puis, merci à Jean-Michel Perron pour votre présence, d'avoir pris le temps de nous parler un peu plus sous forme de conversation avec nous. Oh, attendez, je vois qu'il y a une petite question aussi. Une question.
Le prix inclut-il l'avion? Oui, effectivement. Donc, les billets d'avion sont inclus dans le prix. Donc, aussi pour toutes les informations techniques, donc qu'est-ce qui est inclus, non inclus, tous les prix, l'itinéraire jour par jour, si vous voulez le relire à tête reposée, tout est disponible sur notre site web spiritour.com. Puis, donc, comme mentionné tantôt, on vous enverra la rediffusion et puis le lien sur notre site web pour que vous puissiez tout revoir ça à tête reposée. Vous pouvez télécharger les PDF aussi du formulaire d'inscription, ainsi que du programme détaillé. Encore un petit rappel, si vous voulez vous inscrire, surtout ne tardez pas afin de pouvoir profiter du rabais Explore Québec aérien. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre temps et d'avoir été présent avec nous. Nous allons prendre environ 5 minutes de pause et poursuivre avec la prochaine conférence à 14h sur le beau voyage à Compostelle. Alors, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci, merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.